Alors, quand on veut faire des choses ensemble dans un groupe, eh bien, on a besoin quand même aussi de quelques règles pour fonctionner. Mais comment faire et quelles règles choisir? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui, on va voir quelques règles du jeu pour votre groupe. Alors, très souvent, on pense à une charte le plus complet possible, hein, avec plein de textes pour ne surtout rien oublier dans toutes les règles. La particularité, c'est que ça ne sera pas lu parce qu'on est au XXIe siècle, et puis bah, si c'est pas lu, ça sera encore moins mémorisé, hein, parce que tout le monde hein, manque de temps de cerveau disponible. Vous savez, cette phrase de Patrick Huet, qui était patron de TF1 à l'époque, et qui disait, moi, mon métier, c'est de prendre du temps de cerveau disponible pour le vendre à Coca-Cola. Et en fait, aujourd'hui, il n'y a pas que TF1 qui prend du temps de cerveau disponible, les réseaux sociaux, mais aussi votre boulot, plein d'autres choses. Et puis, même si vous êtes dans une grande entreprise en transversalité, eh bien, votre équipe de travail va aussi occuper vos éléments au détriment, effectivement, des groupes de transversalité. C'est vrai pour les communautés dans lesquelles vous êtes, parce que vous êtes dans plusieurs groupes, plusieurs associations, plusieurs communautés. Et donc, en général, eh bien, du coup, on s'adresse à des gens qui n'ont pas de temps de cerveau disponible, qui ne liront pas la charte. Ou si vraiment ils la lisent, ils l'auront oublié immédiatement. Alors, sauf si vraiment vous animez une petite équipe, hein, c'est-à-dire que si vous êtes, par exemple, le manager d'une petite équipe, eh bien là, vous pouvez imposer des règles de tout ce que vous voulez. Les gens sont obligés d'avoir du temps de cerveau disponible, ils sont payés pour ça, mais ce n'est pas le cas général, hein, ça ne représente pas grand monde. Alors, du coup, plutôt que de faire une grande charte, moi, ce que je vais vous proposer, c'est d'essayer d'avoir une ou deux ou trois règles maximum qui vont être extrêmement malines et sur lesquelles, eh bien, on pourra les mémoriser facilement avec une simple phrase. Alors, regardons un peu ce que ça donne, hein. On va prendre déjà deux règles extrêmement simples, extrêmement efficaces. Si vous en avez qu'une, eh bien, je vous propose déjà d'avoir soyez bienveillant et constructif, tout simplement. Alors, c'est un peu la règle de toutes les règles, hein. C'est la règle de base, puisqu'elle permet d'abord d'être bienveillant entre nous, donc de trouver des solutions chaque fois qu'il y a un petit problème, et puis aussi, eh bien, elle permet de faire des rappels à la règle, hein, si on l'a fixée avant, alors que si on ne l'a pas fixée avant, eh bien, on peut dire non, 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 parce que lui, il m'embête, etc., et que c'est pas normal. Alors que si tout le monde a accepté la règle de bienveillance, ce qui se fait en général, ça marche. On en avait parlé dans développer la bienveillance dans votre groupe, on en avait parlé avec Olivier Hoffel. Et puis, vous êtes, deuxième règle proposée, vous êtes totalement libre de participer ou non aux projets et activités. Parce qu'en fait, souvent, quand on est dans une association, on se sent piégé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de moins en moins de gens qui veulent être dans le bénévolat. Mais pourtant, eh bien, on a de plus en plus de gens qui s'impliquent dans des collectifs, en général, un peu moins structurés. Parce que finalement, eh bien, on peut participer quand on a envie. Puis quand on n'a pas le temps, quand on n'a pas envie, eh bien, on n'est pas obligé de participer. Cette règle, elle rappelle la règle des deux pieds hein, que l'on a dans les forums ouverts. Hein. Ces forums ouverts, c'est une sorte de fonctionnement, on en avait déjà parlé, hein, donc général dans des rencontres en présentiel. Mais finalement, eh bien, nos rencontres virtuelles ressemblent aussi à des forums ouverts. Et donc, on va utiliser cette règle des deux pieds. Plutôt que d'expliquer ce que c'est que la règle des deux pieds, on peut la dire très très simplement avec une simple phrase. Vous êtes totalement libre de participer ou non au projet et activité. Ça se rappelle très bien. Alors, il peut y avoir un cas où vous utilisez aussi pour vos invitations, parce que beaucoup de choses se passent lors des rencontres en présentiel. On avait vu ça, puisque quand on avait parlé justement du fait que l'on n'avait pas beaucoup de temps de cerveau disponible, eh bien, les gens vont être peu disponibles pour les réseaux sociaux, toutes les choses asynchrones, parce qu'ils sont pris par d'autres choses. Et donc, on va avoir des rencontres. Mais dans les rencontres, il faut bien inviter. Et pour inviter, eh bien, le problème, c'est que il va y avoir deux conditions, parce qu'on veut toucher la majorité des gens, et pas simplement les gens les plus réactifs, ceux qui sont déjà venus aux rencontres. Mais la plupart, peut-être 80 à 90% des personnes qui sont dans votre communauté, quand vous avez une grande communauté sur laquelle les gens ne sont pas contraints de participer, eh bien, en général, vous avez 80 à 90% d'inactifs ou d'observateurs, c'est-à-dire de personnes qui suivent ce qui se passe, mais qui ne participent pas directement. Or, c'est eux qui pourront devenir aussi actifs à un moment donné, mais pour ça, il faut qu'ils reçoivent le mail dans leur boîte aux lettres et non pas ailleurs. Et donc, pour ça, il va falloir qu'ils. Donc, d'une part, qu'ils reçoivent leur boîte aux lettres, mais en plus, bah, si on reçoit trop de messages, eh ben, on ne va pas les lire. Et puis, s'ils sont trop longs, on ne va pas les lire non plus. Donc, en fait, la règle, eh bien, c'est de dire que le message doit être lu en moins de 2 minutes. On avait parlé de ça quand on avait dit comment faire pour que votre message soit lu. Et là, eh bien, effectivement, on va avoir avec ces deux règles-là la possibilité comme d'envoyer de temps en temps hein, quelques mails très courts d'invitation, 3 lignes hein, maximum, et puis pas trop souvent, mais pour envoyer aux rencontres et surtout pas discuter évidemment en ligne.
Alors, du coup, eh bien, la règle, elle peut se faire. Alors là, elle est un petit peu plus longue, mais on va mettre la règle base. C'est les discussions se font lors des rencontres, surtout pas sur la liste mail. La liste mail, c'est le moyen d'envoyer à tout le monde sans avoir besoin de mettre tous les destinataires, hein. Donc, vous avez le nom de votre groupe et tous les gens qui sont inscrits, eh bien, reçoivent le mail. Mais donc voilà, les discussions, c'est lors des rencontres, surtout pas sur la liste mail. N'envoyez sur la liste que des invitations courtes, maximum 3 lignes. Vous voyez, donc ça. Une façon très très rapide de dire ce qu'on a expliqué dans comment faire pour que votre message soit lu. Hein, donc juste des invitations. Alors ça peut être une invitation à une rencontre ou une invitation à répondre à une question ou une invitation à demander quelque chose. Là, on n'y arrive pas dans notre petit projet. Comment on fait? Si vous souhaitez répondre à un message, là c'est la partie de la personne qui pourra répondre. Eh bien, on veut surtout pas qu'elle discute évidemment. Donc faites-le en réponse simple. Elle ira uniquement à la personne, puisque votre liste, pour qu'elle soit bien structurée, eh bien, il faut surtout pas que les réponses se fassent à tout le monde de la liste quand on répond, mais on répond uniquement à l'envoyeur. Mais le piège, c'est que si quelqu'un met réponse à tous, eh bien, évidemment, c'est tout le monde qui va recevoir. Donc, on préfère que ça soit que la personne qui a envoyé le message reçoive la réponse, du genre, bah tiens, j'ai trouvé la réponse ou ce que tu cherches, ou alors, tiens, je vais venir, tiens, je vais pas venir à ta rencontre, mais ça m'intéresse. Ça pourrait encombrer la liste, mais on veut surtout pas encombrer les autres, mais on veut quand même pouvoir répondre. Donc, voyez, notre troisième règle, c'est la discussion se font lors des rencontres, et la liste mail, elle ne sert que aux invitations, et les réponses se passent hors liste, puisque en fait, elles se font en réponse directe à la personne qui a envoyé. Alors, à vous de jouer. À vous de jouer, définissez donc quelques règles, hein, une, c'est le minimum. Mais ça marche très bien aussi, hein. Deux avec la règle de pied, trois si vous utilisez les outils comme le mail et que vous ne voulez surtout pas encombrer les boîtes aux lettres. Et puis, ben, vous pouvez les co-construire avec votre groupe, hein. Ça peut être tout à fait intéressant. Vous pouvez d'ailleurs vous baser sur ce qu'on a présenté là, mais pour avoir une rédaction qui correspond à la culture de votre groupe et proposer effectivement, est-ce qu'on prend cette règle-là, est-ce qu'on en... Mais surtout, essayez de ne pas en mettre plus que trois, parce qu'au bout de trois, eh bien, tout le monde aura oublié. Et si vous en mettez quatre, eh bien, on aura oublié les quatre. Alors que si on en met une, deux ou trois, eh bien, on a des chances pour les différentes personnes de les rappeler. Mais évidemment, il va falloir les diffuser, hein, donc au groupe, bien sûr, mais les mettre sur le site de manière à ce que ça soit facile de retrouver. Et puis, n'hésitez pas aussi lors des rencontres, mais aussi lors des invitations de temps en temps, hein, sur votre liste mail, pourquoi pas, eh bien, de rappeler de temps en temps les règles sur la liste, de rappeler de temps en temps les règles sur les rencontres, lors des rencontres, etc., de manière à ce que, voilà, ça rentre, mais vous avez une, deux ou trois phrases normalement à dire. Alors, commentez, mettez-moi les types de règles, comment vous les avez formulées, peut-être que vous avez changé, peut-être que vous avez supprimé une des règles et rajouté une autre. Bref, expliquez-moi un petit peu ce que vous avez fait pour sortir du syndrome de la charte très complète et inutile. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, hein, donc, et à liker aussi, mettre un petit pouce bleu ou un petit pouce de la couleur du réseau social suivant là où vous êtes, hein, suivant l'endroit où vous lisez, où vous regardez cette vidéo. Ça aide vraiment les vidéos à être plus visibles sur Internet. Et donc elle est diffusée plus largement. Et puis ben, vous pouvez aussi télécharger le guide de l'animateur 1 heure par semaine pour animer une grande communauté. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation.